Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour faire un gâteau au chocolat. Salam alaikum, kentmenna tkounou koulkoum mzyanin fhad nhar. Elyouma andirou gâteau de chocolat. Donc pour cela, il nous faudra 3 œufs, tlatat lbidat, 170 g de farine, 170 g d'yel farina, 100 g de sucre, 100 g d'yel sukkar, un sachet de levure chimique et un sachet de sucre vanillé. Wahda d'yel khmira d'yel gâteau ou wahda smhouli d'yel sukkar vanillé. 200 g de chocolat, 200 g d'yel chocolat, un yaourt, donc Danona. Vous prenez le goût que vous voulez. Moi, j'ai pris de la fraise. Donc, un yaourt de fraise. 125 g de beurre. 125 g d'yel zebda. Donc, je mets mon beurre dans mon chocolat. Dire zebda d'yel chocolat. Et on va le mettre 2 minutes au micro-ondes. On dirait juge d'arrivée sur le micro-ondes. Les mains douche micro-ondes, ils diront au bain-marie. Avec le casserole de l'eau, ou qu'ils diront à la casserole de l'eau, ou qu'ils diront au haddoub. Donc, une fois sorti du micro-ondes, mais nous rajoutons le micro-ondes, on mélange. Donc, je mets ma levure, diront la levure, on dira le sucre vanillé, on met le sucre vanillé et on mélange. Zido sucre, on rajoute le sucre. On rajoute notre yaourt, Zido Danonadienna. On mélange et on rajoute les œufs. On zido le bed. On mélange notre œuf. Donc, on a mélangé au bed d'Yéna. Et on rajoute la farine. Zido farina. On essaye de la tamiser, pas avoir de grumeaux. On a le blouha, qui fait que le mgharba. Bech, mais il prêche, il fait le hboub. Donc, une fois bien mélangé, on le met dans un plat à four, beurré et fariné. نديروها في بلاد الفران تكون فيها الزبده وفرينه et n'oubliez pas d'allumer votre four. Moi je l'ai mis à 150 degrés, mais chacun fait comme il a l'habitude avec son four en fait. Donc voilà, donc ما تنساوش تشعلوا الفران مي تبداو ديروا الكاطو ديالكم. انا درتو 150 كل واحد وكيعرف الفران ديالو. Donc moi ce que je fais, je saupoudre un peu de sucre en poudre dessus pour que le haut soit un peu croustillant en fait. Vous allez voir, la finition est magnifique. Donc باش انا اللي كندير سكر بودره عليها باش يكون Donc on le met au four pendant 15-20 minutes. Vous voyez, voilà notre gâteau. Il est fini et bien brillant grâce au sucre. Donc il fait chauffer tout le gâteau d'Yenna qui est brillé. Voilà. Donc j'espère que vous aurez apprécié la recette.
كنتمنى هاد لا غوسيت عجبتكم وتحاولوا ديروها en espérant que vous essayez aussi de la tester. Elle est très facile à faire. Bon appétit, chérie Taïba. Alaikum kulkum. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. Bye bye, à la prochaine.